Coucou la soleil d'amour de Laetitia. Bon, on est rentré du marché, on a fini d'acheter tout le nécessaire. Donc, on va commencer. Bon, finalement, maman a confirmé que c'est le tas Oui, que Business devait manger. Donc, elle a dit qu'elle-même va rentrer s'occuper de ça personnellement. on commence Bon, on commence et elle va venir finir. Et on va commencer la préparation des rôtis de pot. Comme c'était prévu. Donc, bienvenue dans la cuisine de Grand-Mère Soleil. Voilà. On a pris le poisson, comme vous avez vu, on a pris le maquereau. Ça, c'est le plantain pour faire le truc de soleil. La maison a demandé qu'on n'achète pas le plantain en détail. Elle dit qu'on achète un petit régime. Ça, c'est l'autre. Ça, me sert Oui, c'est du beau pour. de. Donc, Grand-Mère Soleil a dit qu'on ne mélange pas le sel là Oui, et on le sel achète qu'on tout va à cuisiner part. avec. Donc, cela, ça ne concerne pas la cuisine ici. Maintenant, on a pris un seau de pommes. Le seau de pommes de 15 livres ici, c'est 5 000. C'est beaucoup jusqu'à regarder. Naïs a dit que tu vas seulement rentrer avec le reste parce que si tu laisses, ça va se gâter. On n'a pas le temps pour rentrer à la cuisine tout le temps. Voilà les pommes qu'on a achetées la semaine passée là-bas. Ça a pourri. Voilà. Après de se gâter. On a oublié ça depuis. C'est hier que maman a retrouvé ça là-bas au magasin. Donc si vous laissez ça ici là. Donc en principe, mes soleils d'amour, ce qu'on va faire là, on s'occupe des pommes. Et le maïs est déjà écrasé. Donc on va juste il y a griller déjà le maïs. Cuit. Donc ne vous inquiétez pas, on va vous donner toutes les étapes, voilà, de cette préparation-là. Exactement. Okay. On va chercher les pots. Je vais pas chercher les charlottes. Les pots convenus. Ah oui, merci. Donc maintenant on apprête les condiments, n'est-ce pas, chef cuistot? On apprête les condiments, on va hacher. Voilà. Donc pendant que Larissa apprête les condiments pour hacher, je vais faire le poisson. Voilà. Maman, dis coucou au soleil. Vas-y. Coucou. Coucou le soleil. Je suis à Bafoussam. C'est ma première fois d'arriver à Bafoussam. Gâteau de maïs aux légumes. Gâteau de maïs sec, pas de maïs, pas le maïs frais. Ça, c'est la farine. Il est d'abord grillé. Jusqu'à ce que la pâte soit marron. Bon, ma, j'ai une question. Tu vois le. Ce qu'on appelle le kumbala, non? Ce qu'elle pensait que c'est ça qu'on allait faire. Il a remis dans la file là. Oui. On grille aussi. On grille comme tout ça. Comme ça. On grille aussi comme ça. C'est rare où tu m'as fait. Tu penses que comme ça, une fois par an. Non, une fois en deux. Je vais prendre la pâte. La pâte va devenir marron. C'est le feu de ça. C'est le feu qui a attaché le coussin autour du jaune. Je ne sais même pas rappeler au marché qu'il fallait acheter les feuilles. C'est les feuilles de quoi? Non, c'est parce que je savais qu'il y avait les feuilles.
ma chérie. Bonsoir. Voilà, mais je vous le sors dans la. Là, ma fumée. Bonne arrivée. Le soleil de la cuisine. Oh, ça va. Bon. On continue. Ça va? Là, c'est la maison où j'ai grandi. Elle m'a fait des voix, elle a dit qu'elle était très fière de moi et qu'elle voulait me faire un cadeau. Oui. Qu'elle fait dans les mèches. Et elle m'a envoyé des échantillons. Elle m'a demandé quel genre de mèches je veux et tout ça. Elle m'a fait des propositions. J'ai dit ok, j'ai choisi. Elle a dit ok, elle m'a envoyé des propositions. C'est où j'étais confiée en fait la conversation. Ah, j'ai mélangé avec quelqu'un d'autre qui. Je pensais qu'elle était à Douala. Ah, d'accord. Et que ton mari et moi, on s'est pris en photo à quoi? Quand t'as mon cœur. Comment tu peux le manger, petit? Les gens qu'on a crasé à quoi, là? Avant quoi? Non, juste avec toi. Oui. On se prenait en photo, là. Il m'a appelé en face. On prenait en photo. Oui. Il y avait son mari parmi. Ah, c'est petit. C'est celui qui prend la photo, là. Toi, le monde est petit. Le monde est petit. Voilà pourquoi, mais souvent, quand tu manges, je ne cherche pas les problèmes. Oui. Il te dit que le monde est petit comme ça. C'est petit. Tu vas voir que. Elles sont récosées comme ça, elles doivent se voir. Nous, on arrive à quoi comme ça là. Son mari me piétine comme ça là, là commence. Oui. Oh, bien, c'est maintenant que j'ai bagarré avec son mari. Moi, elle est trop petite. J'ai vu la vidéo, maman, j'étais très contente. Tu as finalement eu la couleur. Oui, parce que j'ai eu l'arrivage hier, en fait. Comme la couleur que tu as. Oh, c'est très gentil. En fait, il s'agit d'une perruque. Oui. Oui, là c'est mon moment. Ah oui, on s'est pris, oui, ils ont croisé les gars là-bas et tout. Wow. C'est beau, hein? C'est vraiment très beau. Oh, c'est trop content. Oh, même trop. C'est tout ce que tu fais. Un peu comme ça, mais elle est courte. Laquelle? Un peu, le même style, non, mais c'est pas noir. C'est quel violet là? Elle est blanche, la coupe. Ah oui, c'est ce que tu tournes au bachelor avec là. C'est pas celui-là. Ah, c'est bon, c'est bon. Elle a plutôt le nom. Vous allez me dire si je suis belle avec elle. Il faut bien. C'est belle et dame. Il n'y a pas les blagues comme ça. Elle a plutôt le style. Parce que, elle ne pouvait pas le dire, c'est parce qu'elle a des une comme ça. Elle a une comme ça, mais courte. Oui, mais c'est qu'elle a voyagé avec. Oui. Oh, c'est beau. Je suis des filles de cave. Ah, c'est comment, mais. C'est bien, mais il faut arranger. Il faut qu'on arrange. Il faut juste arranger avec l'eau, mais. Oui. Mais c'est beau. Ah, oui. Tu fais dans les mèches, si tu as une boutique. Oui, tu... oui, à monter les états aussi. Oui, alors, tu ne parles pas de grand-mère soleil. Je sais qu'elle m'a dit le matin que si elle m'a acheté, elle m'a dit que c'est un tout. Tu as Bafoussam, tu fais dans ton business. À Bafoussam. Ok, on te fait la pub une fois, non? Voilà, tu donnes ton numéro de téléphone et tu indiques ta boutique. Pour ceux qui ont besoin des trucs et tout. Ok, merci. C'est le 600. 654. Ah, 645. Non, pas du tout. En tout cas, je vais écrire ça. 654 10 45 98.
Donc tu fais dans tout genre de mèche. Quand on veut n'importe quoi, il vient chez toi. Comment? Avec les produits, d'accord, Bafoussam. Donc si vous êtes à Bafoussam, vous voulez avoir des bonnes mèches, n'importe quel genre, même les indiennes, la paquitane, même la mèche Bouddha. Si vous voulez des mèches, vous contactez. Ton prénom c'est... Je m'appelle Tatiana, mais le nom de la boutique c'est Alvin. Alvin, donc c'est à la montée de l'hôpital. Et oui, à la montée de l'hôpital, collez directement à la PMI. Collez la PMI. Ah, donc en montant c'est à droite. Collez la PMI en montant. Oui, à l'extérieur de l'hôpital, c'est à gauche, juste après la PMI. Oui, oui. Voilà, c'est boutique à l'étage. Alvin Ninja. Donc tu es spécialisé dans les mèches indiennes. D'accord, Bafoussam. Même si vous n'êtes pas Bafoussam, appelez-le le numéro, elle va expédier. Parce qu'elle était sur le point d'expédier ma mèche. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci beaucoup. Bye-bye. Ok, d'accord. Bye-bye. Bye-bye. Non, pas nous. Oui, c'est le départ. Oui, c'est le départ. Troisième rue. C'est plus dans la troisième rue. Le troisième rue, j'y vais. Ah, ok. D'accord. Bonne soirée. Bonne soirée, maman. Bonne soirée, papa. 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 Bonne soirée, Léti, tu as expliqué la cérémonie du nombril là. J'ai essayé. Donc aujourd'hui, vous savez, je ne sais pas si chez les Betty, on fait ça. On fait ça chez les Betty Montana. Oui, juste, oui, mais pas de la même manière apparemment. On fait ça partout, non. Ah bon, la même façon. Je ne sais pas, mais. Oui, en fait, on enterre le nombril de l'enfant toujours chez le père de l'enfant. Le père de l'enfant. Oui. Voilà. Pardon. Tu es le grand-père. Tu es le père de l'enfant. Du côté du père. Côté paternel. Voilà. Côté paternel. Donc, depuis que bébé Soleil est né, on a gardé le nombril longtemps. Voilà. Maintenant, c'est aujourd'hui qu'on a enterré le nombril ici chez la maison de mes parents. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. On n'a pas filmé la cérémonie en bas parce que on veut pas. C'est pas un truc qu'on filme. Voilà. Donc, on fait ça, on mange le plantain. Tempé dans lui, c'est très bon. Voilà. Maintenant. La mère de l'enfant n'a pas le droit de manger ça. C'est ça la tradition. Grand possible. Ouais, tu sais que aujourd'hui là, comme ça, on est en train d'installer l'enfant dans là où son père est né. Hein? On installe l'enfant dans sa vraie famille. C'est pour ça qu'on enterre son nombril. Quand on dit qu'on a enterré son nombril, ça veut dire que l'enfant va tourner dans le monde entier, mais il reconnaît qu'il a un repère. Oui. On dit, c'est pour ça qu'on dit que il sort d'où, il va connaître où il part. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme ça, là, vous voyez, nous sommes en train de manger le plantain de l'enfant. La mère de l'enfant ne peut pas, parce que il faut qu'on dise la vérité, l'enfant, la mère de l'enfant est étranger. Mm-hmm. C'est l'enfant qui est ici. Ça la plaît, mais elle ne peut pas manger. Ça la plaît, mais elle ne peut pas manger, parce que c'est l'enfant qui peut lui dire que maman, assois-toi là-bas, parce que ça, c'est le chenou. Mm-hmm. Ouais. Donc, ça parle, hein, c'est pas. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a présenté l'enfant aux ancêtres, initialement, comme la tradition le demande, en mangeant ce bon plantain. En mangeant ce bon plantain. Donc c'est juste du plantain brûlé avec de l'huile et le sel. Mais ça du goût, hein? C'est trop bon. La magie. La sauce gombo. C'est la magie. La sauce gombo comme il a dit. Tu vois, ce qu'on fait avec le maïs frais,
Ce n'est pas, il n'y a pas de différence. La différence, c'est que le maïs est développé, frère. Ah, ok, d'accord. Parce que c'est ça qui m'a embrouillé. Moi, je connais seulement le maïs. Le frère. Oui, le frère, je connais. Le frère, on tout le monde, on fait toujours qu'on met la tête, sinon, pourquoi on ne voilà. Coupe pas. On écrase ce maïs. On retire le maïs des épines là, on écrase. On emballe avec l'huile, le sel, on le fait. La différence, c'est vraiment que le maïs est effleuré, frère. Je ne suis pas trop égarée. Bon, en attendant que maman arrive à finir de retirer les pommes, je ne veux pas nettoyer le soleil. Maman, tu as mangé les pommes, non? Mmh. Les pommes, la main a sorti que la cuvette. C'est pour vous dire que quand j'ai fait le tarot, vous ne venez pas voir le plat de tarot. Mais ouais, c'est la cuvette, ça c'est plus le plat. Ça c'est le koumou. Ça c'est le koumou. Voilà. Ça c'est pour vous dire que ça c'est le plat du tarot. C'est le plat. Ça c'est le koumou. Oui, pour pouvoir le partager. Bénis Seigneur les sources de providence qui les ont préparées. Et permets que tout le monde puisse rentrer comme il est arrivé ici, Seigneur. Que la gloire de Dieu te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Vous voyez que tout ce qui est surprise est bon. Il y a eu le mat après, on connaît là. Oui. Tu es quitté. Même ce que tu as construit chez toi, là, même avant d'arriver. Non, c'est ça. Ah, oui. Ok. Non, il y a l'histoire. Il y a l'histoire. Oui, c'est ça. Je connais l'histoire, mais il faut que tu nous les détails. Tu connais comment la banane est bien faite. Oui. Ça part quand on monte. La main ne brille pas sur cette voie. Et c'est que on jette avant on jette on donne les gens oui maintenant on nous vend oui
supprimer la banane cochon, on dirait que pour le cochon, alors le cochon ne voit plus. Ah. Même le tempura qu'on a fait, le sauveur, il n'est plus le sauveur. C'est ça que la mère a fait pour le sauveur. Même le tempura est monté. Quoi? Le verre de tempura, c'est 100 francs. C'est même pas maintenant. Si tu analyses maintenant, le sauveur du Cameroun, c'est le. C'est le. La patate. C'est la patate qui est sauveur maintenant. Le tempura n'est plus sauveur. Le tempura. Avec 16 ans, tu as au moins beaucoup de patates. Non, mais 100 francs, tu peux payer le tempura. Le sort du tempura aujourd'hui, c'est 8 000. On dit le sort. On l'a acheté à 3500 francs. Ah, il y a où le verre, c'est 150. C'est 100 francs chez nous. Et c'est, et on dit le verre, on dit pas la boîte. Hein. Alors qu'avant, le verre, c'était 50. Après, c'est monté à 60. Mais 100 francs. Maintenant, mais. 3 verres, 100 francs. Oui. Avant. Oui, avant. Donc, il faut acheter le tempura avant de penser au sucre. Le sucre, c'est combien de morceaux à 10 francs? On ne boit même plus le sucre. Un morceau. On dit avant que les demi-kilos, il coûte 150. Le verre de tapioca qui coûte 150 aujourd'hui. Ah, merde! Le tapioca et le verre! Donc tu vois, tu es un peu comme Yves Michel Foutou, il connaissait pas le prix du pain, il mangeait le pain. C'est quand il est en train de comprendre que le pain coûte 150, il dit qu'il y a bon dans le pays ici. Il n'a jamais connu. C'est maintenant qu'on dit que le prix des tapioca que tu es dépassé parce que tu n'as jamais mangé ça. Moi, on n'a pas sauvé parce que ça nous sauve souvent. Mais tout le monde a demandé le prix. On mange dans la maison. Ça a demandé le prix. Voilà. Mais nous, on connaît le prix parce qu'on fait face. Sinon, tu dis, déjà, moi, l'enfant, j'ai payé 2 verres d'avocat pour manger. Je suis dit que ça vaut. L'enfant, j'avais 2 verres, il dit, mais ça, c'est 2 verres. Il dit, non, je n'ai pas la boutique réclamée. La boutique, on me dit, c'est 100 francs. Le sucre est revenu à 7 à 5 ans. Le sucre. Laissez le prix du sucre. Laissez le sucre. On est là sur la table, on mange. C'est Dieu qui nous a donné. Dieu nous a donné tout. Regarde, aujourd'hui, là, nous, on pouvait y rentrer à la maison, mais comme Dieu nous a donné même une très belle petite fibre. J'attends la douche. Bientôt, je veux. Comment ça? Oui, on te va trouver. Les femmes jonglent, on va faire ça ici. On jongle. Il faut être blanche comme moi pour manger ça. On a apporté le vrai, l'original aujourd'hui. Tu vois, c'est pour ça que je me sers que de ça. Il n'y a pas de choses. Bien. Mes soleils d'amour, c'est ainsi que se termine cette magnifique soirée. Je vous aime très fort. Gardez la soleil attitude. Bisous, bisous. Mouais.